Et bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Arc Modé Primal Fear. Les gars, je suis très très fier de vous parce que dans l'épisode précédent, pas de Primal Fear mais d'aberration, vous avez été des milliers, je dirais même des milliards, à avoir mis des pouces bleus. Et ça m'a tellement fait plaisir, ça m'a tellement aidé les gars. La vidéo a fait de très très bonnes stats et vraiment c'est motivant de ouf. Donc merci à tous pour tous ces pouces bleus. J'espère que vous ferez de même pour cette vidéo et pour la série. Pour la faire connaître. Donc merci à tous et on est parti pour ce nouvel épisode de Primal Fear. Et donc on se retrouve à notre petite base, on est avec le poteau Rasta qui est là. C'est moi. Il est tout petit encore, regardez-moi ça, on le voit pas quand je... Oh putain mec, attends je veux refaire le comparatif, ça c'est insane quand même. Regardez ça. Papa et son enfant. Tu me dépasses à peine, mec. Mec, tu me dépasses à peine. C'est ridicule. C'est génial. Bon, bah, les gars, vous avez vu dans l'épisode précédent, on avait tame du coup l'Alpha Rex qui se situe là-bas, ainsi que ce Light Mega Raptor. D'ailleurs, Asta, je te laisse nous faire un petit tour. Est-ce que tu vas faire un truc très très drôle? Tu vas y aller au sol, tu vas foncer loin et tu vas me passer juste à côté de moi. Voir ce que ça donne. Oh putain. Vas-y. Oh putain, mais mec, on dirait que c'est cheaté. Vas-y, je t'attends. Zou. Oh, mec, ça va tellement vite. C'est trop bien ce truc. C'est génial. Dommage qu'il bon. Pas de saut. Bah oui, non, mais y'a un mec. Oh, fais attention ah avec oui, ça, j'ai peur. Ça. Oui, non, ça fait très peur, fais attention. Bon, du coup, les gars, aujourd'hui, on va partir sur du timing. On va continuer à découvrir de nouveaux petits dinos. Et d'ailleurs, j'ai découvert un petit truc. Je vais vous ouvrir ça de suite. Alors, j'ai eu des infos sur le mode. Il faut savoir que les dinos toxiques spawnent à 7%. Wow. Les alphas, 5%. Les élémentaires 4%, les apex 3,5%, les élémentales advanced 3%, les fables 2,75%, c'est pas fini, hein. Les célestes et les démons 2,25%, et les bouffons et malins, je sais pas ce que c'est, on en a jamais vu, 3%. Donc vous voyez que ce sont des dinos plutôt rares, et c'est vraiment un point intéressant de cette série, je trouve, c'est que c'est galère de trouver des dinos, il faut chercher, et c'est beaucoup mieux, je trouve, que d'autres séries comme Eternal, où t'avais des dinos à la chier partout. Hein, merde. Partout, c'est clair. C'est clair. Donc du coup, on va prendre nos petits volants. On va prendre le Light Mega Raptor pour pouvoir partir devant et faire du repérage, ainsi que le Ptera pour pouvoir tame. Ça va être notre stratégie du jour. Et on va essayer de vous trouver des trucs de qualité. D'ailleurs, Asta, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de partir chercher, on va foncer vers la forêt, voir si on trouve des petits insectes pour récolter du sang, parce que ça aide pas mal, même si j'en ai pas encore trouvé depuis quelques temps. Donc les gars, on va se faire un petit farm d'insectes, on va essayer de choper du sang, et on sera du coup prêt à aller tame les putains de bestioles chelous que l'on va croiser par la suite, de manière calme et sereine, et dans le... Oh putain, mais mec, je te vois passer à des vitesses. Bah je cherche, hein. Un gros. Et du coup, on se retrouve juste après, dès qu'on aura trouvé quelque chose. Et encore, merci à tous d'être aussi enthousiastes pour les deux séries actuelles qui sont Aberration et Primal Fear. Thanks guys, let's go tame. Est-ce qu'il y aurait des bêtes marines? En vrai, on n'a pas vraiment besoin de bêtes marines pour l'instant. Ouais, en vrai. Et de la wyvern. Il y a masse wyvern ici. Wyvern poison. Franchement, t'as pas le goût, on se fait ça? Non, non, on peut pas, mec. C'est avec des œufs, les wyverns normales. Et les wyvern du mode. Il y en a pas là. Pas. Ah, mais y a là, on en a. Bah, t'en as vu là? Moi, j'en ai pas vu. Non, pas ici, mais. Bah, on a juste vu l'alpha la dernière fois, quoi. Ouais, mais on connaît la faille. Dans la faille, moi, j'ai vu des wyvern poison la dernière fois, gros. Ouais, mais en vrai, y a pas besoin là. J'en ai pas vu en plus des modèles. C'est chiant pour monter et descendre avec. Ah ouais? Ouais, l'Ultra Raptor. Bah, tu sais, il a pas des piquets comme le. Oui, oui, il est pas maniable au niveau de là. Ok, je vois. Pas quoi, en fait. On va aller voir vers le biome désert s'il y a des trucs. Bon, du coup, au fait, les gars, on vous l'a pas dit, mais on a trouvé pas mal de jukebugs. De blood bugs, je crois que c'est le nom. Ouais, un peu de tout en plus. Et franchement, ça donne, voilà, comme disait Rasta, pas mal de sang, un ouais, peu de tout. Regardez sur moi. Alors, on ah a. Mec, y a un Drake en bas à gauche! Quoi? Y'a un Drake en bas à gauche! Un Drake et un Drake comment? Bah, je sais pas, attends, je regarde son nom. Et franchement, il est beau, hein. Oh, le truc rouge là? Non, c'est un griffon. C'est un griffon démoniaque, mec, je crois. Fire griffon level 20. Oh, mec. J'y vais. C'est un fire, gros, hein. Hit! Oh merde, j'ai pas pris de stam! T'as gros. Faut que je prenne la stam. Oh mec, il est magnifique! Va vite? Oui. Ouais, ouais, il est sur toi là. Ouh! Je vais essayer de prendre l'aggro. Ah, j'ai pris l'aggro, c'est bon. Ok, nice, je vais aller me poser. Tu mets un dot? Ouais, fais gaffe, mec. Hein. Oh, il fait trop mal!
Fais très gaffe. Oh, il est sur moi, il arrive, je récupère ma stam. Je vais Oh pas putain. mourir, tu vois, mais il me fait vraiment mal. Il m'a fait un quart life, quoi, ou un tiers life. Ah ouais, non, fais gaffe alors. Si je prends un hit, moi je suis mort. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais, ok. Ah, j'ai testé, hein. Essaie de prendre l'aggro. Ah, il m'a Essayer. lâché, je crois. Ok, c'est chaud. Ouais, il a l'air d'être vraiment chaud. Je récupère la stab et on est go, quoi. Vas-y, ouais, il s'est posé tranquillement, il est en train de niquer. Oh, un ankylosaure, il va Oh l'enculer, gros. putain. Oh, il crache du feu! Ok, je l'ai hit. Ok. Ok, je l'ai re-hit. Mec, Il a l'air de résister pas mal, hein. il a l'air de fuir là. Ah non, il veut manger. Merde, oula. Il a eu deux fois là Oh! sur ce coup. Oui, je crois que j'ai hit un autre truc en plus que lui. Ok, donc ça doit être une Il a l'air merde en train quoi. de fuir, non? Ok. Est-ce qu'il est inconscient? Non. Ah non, 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 non. Non, non, par contre, Fuis, ah fuis, ouais, là fuis. il fuit. Oh, nice. Il tombe là? Non. Non, non, il fuit. Ok. Oh, gameplay! Là, il est tombé, il est tombé. Nice! Nice, bro. Nice. Et Oh, ça, il est mec, c'est un élémentaire. magnifique. Putain, il y a des coups de ouf. Il y a des flammes et tout. Ah, il est level 20 par contre. Oh, les Ouais. stats. Pas dégueu, hein. Quoi? Est-ce qu'il mange du sang comme ça? Non, je pense qu'il mange de la prime. T'as Bon, de la bah, prime, toi? je vais en chercher vite fait. J'en ai peut-être un petit peu. Ah, Attends ouais, un j'en ai petit peu. 39. Nice. Checkons ça, checkons ça. Ouais, Prime il mange. J'ai Nice. timing helper ou pas? Je crois que j'en ai. Ouais. Ok, mon gamin, combien tu prends? 21% par 21, c'est Prime, bon, on en mec. a assez. C'est win. Putain, oh, il est trop beau. Ah, c'est full win, mec. Nice ça. Tu sais que Il est mec, j'avais méga sauté badass. Hein. là. Oh, ah, il est beau. Hein. Non, saute pas. Non, mais tu sais que Oh. par habitude, j'allais sauter, gros. Ouais, mais on n'a pas d'aile là. Oh, Ouais, gros. attends. Oh, Bah, ouais, du gros, coup, vas-y, oh, on monte à go. deux. Va faire un tour. Ah, gros, je vais voir les dégâts. Ah, mais ouais, du coup, il se conduit comme. Oh, c'est trop bien. Tendu comme un griffon. Bah, ouais, il y a l'accélération. Oh, putain. Mec, il a des flammes et tout, hein. Faut que tu testes ça. Il est où, il est où? Je veux des Là, trucs. en Ah, là, dessous il y d'un a un alpha. sanglier. C'est un alpha, ça. Ça a l'air. Ça tape très proche de lui. Ça a l'air vénère, hein, quand même. Ah ouais, Ouais, c'est mais il se vénère. vide, lui, il va être chiant. On va chercher autre chose. Mais ça a l'air d'être vraiment vénère, t'as vu les dégâts? Ça a l'air très solide, mec. Hein. Il est... Là, il Là, y on l'a pas monté. a un... Ouais, j'ai vu. Merde, comment ça s'appelle ça Clic déjà? gauche, le roi lézard, on va appeler ça. Comment ça s'appelle? Voilà, un Tawny Dragon. Tony Drain. Oh, c'est fort, mec. Ouais, Je garde même vachement pas fort. encore la Et prise c'est de qu'un level. level 20, hein, dis-toi, gros. Ouais, c'est clair. Putain, ça aurait été un level 150 ou plus. Ça aurait été ouf. Après, il aurait été un Faut peu plus long commencer à à endormir, comprendre. mais bon, en vrai, ça a été rapide. Hein. Ah, ça allait. Le Ptera, il est efficace. Ah, Ce qui est Ptera est bien, efficace, c'est franchement. que tu peux esquiver des coups avec le Ptera, c'est ça qui est Ouais, bien. t'arrives en barrel roll et franchement, ça passe. Par contre, là, il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression. En gros, on va reprendre les trucs et on va bouger. C'est stylé quand même, Franchement, il hein. est vachement cool. Avec les Puis il est petites joli. flammes qui nous met. Bouger noir comme ça, mec, c'est le top. Ah, il est badass. He is so badass. Je crois que c'était là. Ouais, c'est par là juste. Ouais, c'est là. Ouais, c'est là. Waouh. Et moi, je vais reprendre mon méga raptor. Bon, du coup, les gars, on va ramener ça à la base pour pas le perdre. Je vais prendre le petit Ptera en follow. Et on va se retrouver dès qu'on est à la base pour le test du griffon et voir un petit peu ce qu'il donne, on va dire, en milieu naturel, hein, avec des vrais fights. Ça va être cool. Allez, à de suite. Mini ellipse. Attention. Waouh. Et du coup, on se retrouve, on est à la base avec Rasta et le Griffon, qui est putain de magnifique. En plus, le soleil se couche et ça fait vraiment des effets. Waouh, la petite flamme. Attention. Regarde-moi ça, regarde-moi ce crachat. Waouh, Attends, putain, il est je vais badass. m'écarter Hein. un peu pour voir. Vas-y, crash. Ah Mec, il ouais. te Oh fait une mec, espèce de écarte-toi, ronde. tu vas voir, il fait un putain de truc. Ouais, il fait un putain de rond, j'ai l'impression presque. Pouah là là, ça Il fait multite en trop plus. mal. Mais gros, c'est une putain de. Enfin, la cinématique a une putain de range. Tiens, vas-y, monte avec moi. J'arrive, je suis derrière. Et on va aller buter des bestioles, voir un peu ce que ça donne. Oh ouais. J'aimerais Il bien a voir l'air de sur du plus taper costaud, vachement. quoi. Il a l'air de taper très fort, ouais. Ce qui serait bien, c'est des petits paracers, là, ce serait fort sympathique. Ou des gros dinos, quoi. Ou un homme singe, non, pas du tout. Là, je sais qu'il y a des trucs à droite à chaque fois, on y va. Des petites bestioles. Ah, bah tiens.
Salut les gars, c'est pour un test. Unboxing. Alors? Ouais, elle est solide quand même. Je vais augmenter les niveaux, voir ce que ça donne. Oh, la vie qu'il prend! Oh merde. Je suis obligé de descendre pour voir ses stats de secondes. Ah ouais, merde. La vie qu'il prend, gros. Ah, on peut augmenter la vitesse. Oh, les dégâts. Oh mec, il est vachement solide. Vachement solide. T'es encore debout là? Non, non, je suis rentré à la salle. Oh! Un griffon électrique! Mec, on le chope. Oh mec. Je regarde son level. Level 20 aussi. C'est un frère à lui. On le chope. Oh, attends, attends, je vais checker les bestioles. Oh putain! Oh mec! Oh le prank qu'il vient de me faire, le Purlovia. Ouais, j'avoue, il a sauté au-dessus de notre gueule. Mec, il a sauté au-dessus de notre gueule, t'es choqué? Oh la nuit. Allez, tiens, die. Vraiment trop mal. Oh là là, la lumière! Bon, bah du coup, on va finir le unboxing et on va partir sur le tame de cette bestiole, les gars. Ça va être fou griffon. Juste à ta droite. Ah ouais? Là. Ah ouais, vu. Attention, lumière! Oh, ça multi de ouf, ça fait tellement mal. Dégâts de ouf! Et en vrai, il y a un électrique là, gros, hein. C'est un électrique. Bah oui, c'est un électrique, c'est un élémentaire comme le feu, quoi. Et apparemment, je pense qu'il peut y avoir des light et des dark. Des dark, oh, des dark. Mais ils sont plus rares. Essaye de les voir, hein. Bonjour, lumière! Bonjour, c'est les impôts. Oh, gros, tu les vaporises! Putain, c'est trop bien! Mec, tu les vaporises, les mobs! Genre, ils restent sur place, tu vois. Des poissons dans le lac. Écran jaune? C'est ça. Ouais, non. Oh, j'ai fail. Ah, ça t'a dismonte. Ouais. Ah, ça m'a dismonte. Ça y est. Non, y'a pas l'écran jaune, y'a pas cette bestiole. Ouais, par contre, ça te fait de la lumière, ça, c'est insane. Ah ouais, waouh. Nice, ça, putain de bestiole. Il est cool, ce griffon. Je vais augmenter un peu les dégâts et un tout petit peu la vitesse. Et voilà, pas dégueu. On va lui reprendre le time helper, on va lui prendre la prime. Hop, et voilà. En vrai, gros, je te suis en griffon, tu prends le terrain. Oh mec, attends, je regarde les. Ramène l'effet du light là dans la nuit, comment c'est beau. Ouais, j'avoue. Ah ouais. L'effet du griffon, l'effet du light. Ils sont bien ces dinos. Il est bien fait ce mode. Ce qui va être bien, c'est que notre base va être multicolore comme la saison précédente. Grave, mec. Là, y a... Oh putain, dans la nuit, ils sont trop stylés de ouf. J'avoue. Wouah. Je suis désolé, je suis comme un gosse hein, pour ceux qui regardent la vidéo, je suis désolé. Bon, du coup, les gars, on se prépare. Je vais, on va se préparer pour aller choper le griffon là-bas. Je vais mettre le jour et on se retrouve juste après avec Rasta, avec l'Optera, je pense. Et on va voir comment on va se démerder. Hein? Allez, à de suite. Ok, on est parti. Direction le Griffin Electric. Rasta va être en observateur avec ce nouveau petit griffon de feu. Et moi, je vais tenter de le tame sans prendre des coups, évidemment, parce que sinon, ça va être compliqué. Ok, il a pas bougé. Nice. J'ai envie de te dire, let's go. Ouais, j'ai froid donc moi je ferai des allers-retours, gros. Oh putain, j'ai raté. Oh, je suis un con. Ok, je l'ai eu. Un hit. Je vais chercher un peu plus. Il est sur toi. Ouf. Oh putain. Oh, il a lancé un éclair, gros. Ouais, lui il rigole pas, quoi, en fait, c'est ça. Ouais. Allez, je crois qu'il est comme le feu, mais en éclair, quoi. Hein. C'est vénère. Hein. Hop là, mais ça va, j'arrive à le gérer sans prendre de coups. Le level 20, ça va durer en même temps, donc ça va. Oh putain, je disais ça, je parle un peu vite. Oh, ah ouais, ça, adieu, adieu, monde cruel. Oh. Y'en a mon pote. Oh putain, j'ai réussi. Oh, j'ai survécu. Mec, je suis venu en rescousse. Oh là 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 là. Ah, il met un. J'ai pris l'aggro, gros. GG, mec, bien joué. J'ai survécu, je sais pas comment. J'ai pas, mais fais gaffe. Oh, je l'ai raté. Je l'ai raté, il met des saignements. Oh ouais, j'ai repris l'aggro. Oh putain, mec, c'est pas aussi simple. Oh, bon, il m'a stun, gros. Ouais, mais celui-là, ouais, ouais. Lui, mec, il a l'air d'être vachement bien. Oh. Oh là 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 là. Pour moi, c'était terminé. Hein. Ok, j'ai hit. Ah, est-ce qu'il s'enfuit? Ah, il s'enfuit. Oh, j'ai raté. Je suis une merde. Oh, il s'enfuit, gros. Ok. On my way, on my way, on my way. Il est semi-coincé, tu vas être bien. Chez. Alors ok, encore un coup et je pense qu'il dort. Ok, je l'ai. J'ai pas plus, gros. Oh nice. Et j'ai des on est bon. Dans le... Putain, j'ai pris tellement cher niveau vie, gros. Heureusement que je suis en habit de neige là. Sinon, je serais en train de crever. Ok, j'ai de la prime. J'ai eu le time helper. Je pense que c'est les bons. Hop, on est bon. Let's go. Mec, le duo de griffon infernal dans cet épisode. Ouais, grave.
Ils sont trop stylés. Oh ouais, il va aussi vite Ah que mec, l'autre. je retourne là-bas, moi j'ai plus dit. Vas-y, vas-y, fonce. Je suis avec notre petit. On survivra. T'as pas mal, hein. Ils sont cool ces griffons. Même le design est assez stylé. Pas déçu, pas déçu. Viens là, mon gros. Ok, on va le ramener, sortir d'ici, voir un petit peu ce que ça donne contre les mobs. Je crois que ça va être sympathique, mec. Si Mec, c'est comme 2-3 l'autre. levels en dégâts, je tape du 2700 avec les flammes. Ah ouais. Déjà qu'il tape Solide fort de le ouf. bestiau. Ce qui est bien, c'est qu'il peut lancer les flammes en l'air et tout. Ah bah ouais. Hein. Ah, mais t'es déjà là. Moi c'est les éclairs. Un électrochoc. Ah, les deux griffons d'un même épisode, les gars. Bien stylé. Hein. Bonjour. Alors dis-moi à quoi ça ressemble, moi les éclairs. Vas-y. Ah c'est sur la zone on dirait. J'ai l'impression que ça fait des gros éclairs sur ta gueule, tu vois, Ouais c'est et ça. devant. Ok. À toi par contre c'est d'une violence assez extrême. Hein. Ouais, le feu, c'est nickel en Par secours. contre il a 21 KPV, il est vraiment pas dégueu. Je vais le tester contre des mobs, par contre il fait chier la puce, c'est dommage, bon c'est pas grave. Vas-y, Je ouais. vais tracer sur les mobs et on va voir ce que ça donne un peu le bestiau. Tiens-toi là. Tape moins que T'es... le feu. Ouais mais il s'est bien fait taser quand même. Hein. Ouais, il se fait taser. Ah, est-ce que ça fait du plus... Parce qu'après le feu ça fait multi dégâts. Est-ce que là ça fait multi dégâts? Ouais ça Ouais. fait multi... Ah nice. Ah oui Double dégâts. ça les vaporise bien. Hein. Ouais il a résisté lui. Ouais, c'est au Ah il est level. tout stun regarde. Ça les stun j'ai l'impression. 130, il était. Est-ce que je peux stun un Bronto? Ou est-ce qu'il me tape direct? Ah il est stun hein, regarde. Et là il m'attaque. J'avoue, ouais, c'est bien, c'est ouais, c'est ultra efficace. Ah c'est fort hein. Est-ce qu'il est restun? Ouais. Je vais augmenter les dégâts. Oh là oui, ok. Ah oui, c'est pas la même. Mec, c'est fort, hein. C'est très très fort. Ça peut être un méga combo en vrai. Viens, suis-moi, gros. J'ai une idée. Bon, c'est peut-être pas une très bonne idée, mais on va tenter. Je suis gros. Je vais augmenter mes dégâts. Ok, donc le raptor jaune, tu t'en approches pas. Parce que je pense que c'est un primal. Y'a un gigano, viens, on se fait petit gigano. Ouais, c'est le gigano, mon idée. Nice. Mec, je t'ai brûlé. Hein. Il a pas l'air content. Hein. Ah ouais, on full stun. Hein. Mec, on le déchire. C'est un sauvage en plus. Hein. C'est Ah, méga c'est trop fort. Hein. bien, gros. On l'a découpé, gros. On l'a découpé sa mère. Eh, mais le raptor, je suis sûr qu'on le découpe. Pas sûr. Mec, on gère en l'air. Tu peux reculer avec le griffon. Hein. Attends, je récupère ma stam. Je vais prendre du. Est-ce que j'ai des trucs de heal? Non, j'en ai pas, merde. Je vais Moi augmenter mes dégâts. j'en ai, viens, on recule un peu. Non, je vais augmenter mes dégâts, tranquille. T'as des trucs de heal? Vas-y, pose-toi, pose-toi. On va le faire au sol, ça va être plus simple, je pense. Donc moi, je vais essayer de le full stun. Là, je t'en mets en moitié. Et en vrai, si on y arrive, mec, on aura peut-être avoir du lourd stuff. En vrai, mec, j'ai 90 000 PV moi. Ouais, moi, j'ai pas repris ma vie, mais là, je vais la prendre du coup. Hop, c'est ça, ouais. Healing stew. En vrai, tu le full stun, je le full flamme. Et on est On bien. va essayer. Vas-y, garde des healings sur ton griffon, reste au Non, mais sol. tu peux te mettre en hauteur, gros. Tu peux Ah ouais, tu reculer avec le penses? griffon. Tu peux reculer un peu. Ouais, non mais mec, t'as vu le truc? Non, mais tu te mets juste au-dessus de sa gueule. Ok, on va essayer. Mais je pense qu'il fait du gros dégâts de zone. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Oh putain! Oh putain! Non! C'était pas un primal. C'était pas un primal. Mec, tu veux que je récupère ton stuff? Non, écarte-le. C'était Tu pas un veux que je prenne ton primal. stuff? C'était pas un primal. Mec! C'était pas un primal. À l'eude. Je viens le chercher avec le light. Oh man. That was not a primal. Mec, il t'a tapé du 91 000. Oh god. Bon, bah, ça sera un dino de fail pour aujourd'hui, hein. Oh god. On n'était pas prêts, les gars. What was that? Oh my damn. Thanks. Goodbye. See ya, man. Oh god. Hey bro, I don't know, bro. what was that? Mec! Genre, il s'est retourné, il a fait...
Et mon griffon, il est parti. Il s'est désintégré, gros. Il s'est désagrégé, gros. Il était là dans mes mains, tu sais, je tenais ses plumes, c'était douce. Ouais. Et tout d'un coup, le néant. Il a disparu. Bon, oh, bah, on saura qu'on est passé plus simple pour le moment. Ah ouais, non mais. Ah ouais. Donc les dinos origines, ok, cool. Ouais, on. Allez, on, maison. On en reparlera une prochaine fois, les gars. Oh man. Après, un épisode sans mort ne serait pas un épisode. Voilà, c'est vrai. Oh man. Bon, bah les gars, je crois que c'est sur cet accoutrement nu que l'on va se quitter aujourd'hui. Sur un fait le plutôt magistral. RIP le griffon, merci à tous en tout cas d'avoir suivi l'épisode. C'était Deben Big et Rasta qui ont essayé malgré tout de faire une amitié entre griffons qui n'aura peut-être. Qui aura fonctionné, je pense, mais pas longtemps. Pendant mais un voilà. Certain temps. Donc RIP le griffon et merci à tous d'avoir suivi la petite vidéo. On se dit à très vite. N'oubliez pas le pouce bleu si vous ne l'avez pas déjà mis, mais je sais que vous êtes des bons gars et que vous l'avez déjà mis. Hein. Merci à vous les gars, parce que si vous êtes encore là pendant la vidéo, c'est que vous êtes des bons gars. De toute façon, vous le savez, parce que j'ai pas le temps de le dire. Alors, coupez.